Bonjour. Oh. Je sais pas si vous entendez la pluie, mais chez moi, il fait pas très beau. Et il fait un peu froid. Alors, il y a le 6 degrés dans l'atelier. Je vais nettoyer ma lampe, je l'ai éteinte. Alors, comme j'ai pas trop le courage d'avoir les mains dans l'eau gelée, je vais avancer sur ce projet en espérant que ce sera un truc que vous arriverez à voir. Voilà. C'est un. Je sais pas, un vase, on va dire. Que j'ai commencé à peindre. Et j'ai pas fini. J'ai plein de fenêtres à faire. Ici, vous avez un Spider-Man spécial et ici, un Batman encore plus spécial. Je suis même pas sûre que même en si petit, j'ai le droit de vendre un tel objet, mais de toute façon, j'en suis pas là. On est sur un biscuit. J'ai posté cette semaine un peu plus tôt un article de blog que j'avais écrit il y a 6 ou 8 mois, peut-être même plus, sur la peinture sur biscuit. Je vais donc en faire un petit peu avec vous aujourd'hui. Et puis si vous êtes bavard et que vous me rejoignez, papoter avec vous. J'espère. J'aurais bien voulu faire du tour, mais honnêtement, il fait trop froid. Donc il n'y aura pas de tour de potier aujourd'hui. Pour ceux qui pourraient se poser la question, ici il y a déjà de l'engobe qui a l'air rose, mais qui est en fait du bleu cobalt, donc ça sera bleu à la fin. Les nuages sont bien entendu blancs et un petit peu en volume. Ici nous avons un soleil jaune qui j'espère se verra à peu près à la fin. Et les immeubles sont en gris et noir, avec un style un peu BD. Et on verra bien ce que ça donne une fois cuit, puisque c'est comme tout le reste de la céramique. On ne sait vraiment ce que ça donne qu'une fois que c'est cuit. Donc quand je parle de peinture à l'aiguille, je parle de petites choses comme ça. Ce sont des espèces de pipettes avec un embout qui ressemble un peu à une aiguille. Hein. C'est pour ça qu'on parle de peinture à l'aiguille. Tester, mais je pense que mon noir s'est un peu trop solidifié, il sortira pas bien. Donc quand on veut faire ce genre de peinture, faut bien tester sa consistance. Et là, en l'occurrence, ça fait un certain temps que c'est rangé là-dedans, parce que j'ai pas touché à ce pot depuis tout ça. Ça a l'air de rien, mais en fait, c'est très long à faire. Je vais mettre un peu d'eau.
remélanger et voir. Bonjour Bernadette. Qu'est-ce que ça donne en termes de texture? Est-ce que vous avez été gâtée pour Noël? Tais-toi, Lady. Est-ce que vous entendez la pluie tomber sur le toit du garage? Alors je vais aller voir parce que c'est peut-être mon mari qui rentre, mais c'est aussi peut-être un livreur parce que comme d'habitude, hein, les livreurs ils viennent à l'heure de mon live. Ah, je vous prie de m'excuser. Bonjour Sylvie. J'essaye de faire ça en dehors pour pas faire de pub. Surtout que je suis pas sûre que ce soit poterie tout l'été, ce qu'il y a dedans. Ah si. Enfin pas que, mais si. Je me suis acheté des livres. Du coup, je vais vous les montrer. J'ai été gâtée. Je me suis acheté un livre sur les émaux. Parce que j'aimerais bien faire moi-même certains émaux. Donc, j'ai besoin d'attaquer la base. Donc, ça, c'est un petit livre d'introduction sur les recettes. Savoir ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Et un gros livre de recettes d'émaux et de glaçures. Alors, ça a l'air d'être un truc énorme. Je suis très contente. On va voir ce que ça donne. Mais c'est pas pour tout de suite. Pour tout de suite, c'est de la peinture sur céramique. Que vous avez eu, vous, pour les fêtes? Des trucs sympas, idéalement, en rapport avec la céramique? Ou pour les fêtes, vous avez fait des exceptions? J'espère qu'on le voit. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Alors. C'est possible que mon geste ne soit pas très sûr. Parce que dessiner à l'aiguille, on ne voit pas mon aiguille en fait, je constate. Ah oui, c'est ce que tu nous disais dans les commentaires. Alors ça, un nouveau tour, ça c'est du vrai beau cadeau. Juste m'approcher un peu plus pour voir si je peux, si vous arrivez à mieux voir l'aiguille. Je vais évidemment pas tout faire comme ça, hein. Je vous le dis tout net, je vous le dis tout de go. Alors là j'ai été beaucoup plus gâtée en principe que ce que j'ai posté. Des transferts, oh, j'ai pas encore testé ça. J'ai été beaucoup plus gâtée
que ce que je vous ai dit, parce qu'en fait, en principe, j'ai un gros colis de Keramicraft qui doit arriver. Et c'est une relativement grosse source d'angoisse pour moi, parce qu'il est marqué comme déjà livré sur le site de... un gros site de livraison, on va dire. Et j'ai fait une réclamation, mais j'ai pas encore la réponse, parce qu'évidemment, entre Noël et le week-end, voilà. Je sais pas trop quoi répondre à ça, Hernandez, parce que moi je trouve que je dessine pas très bien, mais je m'embarrasse pas trop de ce fait en fait. Si tu regardes bien, mes lignes elles sont pas très droites, elles sont pas très belles. Enfin, tu vois, franchement, on peut mieux faire, mais au bout du compte, quand tu regardes l'ensemble, je trouve que ça le fait quand même. Donc, je m'arrête pas à ça. Puis je me dis que plus je le fais. Mieux ce sera. Oh, c'était bien flou quand je vous ai montré, c'était bien. Et donc, voilà, un énorme colis de Keramicraft avec... est-ce que je vous dis ce qu'il y avait dedans ou est-ce que je garde le secret pour quand il arrivera? Je ne sais pas. J'hésite. C'est du... Alors, c'est une sorte d'engobe. C'est du sous-émail. Là, ils appellent ça de l'engobe vitreuse. Parce qu'en fait, il y a quand même un peu de fondant dedans. Donc, ça donne quand même un petit peu une texture. J'ai acheté ça aux États-Unis. Je crois que c'est sur un site qui s'appelle... faudrait que je vérifie, mais un truc genre China Glaze, un truc comme ça. C'est donc de l'engobe, tout simplement. Elle a l'air grise comme ça. En principe, elle devient noire. J'ai remarqué que avec ma couverte, elle a tendance à devenir marron à la deuxième cuisson. Ce qui me chagrine un peu. Enfin, un peu sépia. J'ai acheté une nouvelle, je ne l'ai pas encore préparée, mais j'ai acheté une nouvelle couverte. Il faut que je la teste avec mes engobes et mes sous-émaux parce que j'espère qu'elle sera plus compatible que celle que j'ai actuellement qui ne l'est pas vraiment. Enfin, qui n'est pas vraiment. Oui, non, qui ne l'est pas vraiment vu qu'elle fait buller certaines couleurs et qu'elle modifie certaines autres. Donc celle-là, c'est une de Western Ceramic Colors. Mais bon, c'est l'équivalent des Duncan. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vous dis ce que j'ai commandé chez Keramicraft en Allemagne ou pas? Alors que le mois de décembre pour moi c'est un peu la fête puisque le 19 c'est mon anniversaire et le 24 c'est Noël et que j'ai quand même une famille suffisamment sympa pour essayer de préserver les choses, donc en général je peux avoir des beaux cadeaux. Ah bah écoute, c'est gentil Sylvie, moi aussi ça m'a manqué. Et ce qui me manque plus encore, c'est que franchement, le tour de potier, là, c'est difficile. J'ai un peu de mal à justifier auprès de mon mari de faire rentrer le tour dans le salon, alors que je viens de me faire faire un atelier, mais... Enfin, de me faire faire. Je me suis fait toute seule, mais c'est pas grave. Après, je commence à envisager très très sérieusement de mettre de l'argent de côté pour...
pour l'isoler un peu. Ah, chez Colpaère, j'irai regarder. Après, si vraiment je désespère et que celui-là ne marche pas non plus, je voulais éventuellement tester celui d'un Mako. Le problème, c'est que les émaux à Mako, comme ils sont en toutes petites bonbonnes, à peine plus grosses que celle-là, c'est assez vite les yeux de la tête. Mais comme il est conçu, enfin oui, comme il est conçu pour aller sur leur velvette underglaze, donc les sous-émaux que propose à Mako, je me dis qu'il doit. En fait, ce qui change la couleur et qui rend parfois incompatible, en général, c'est le zinc. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver un émail, une couverte sans zinc. Ouais. Bah, en fait, j'ai un. Je sais pas comment ça s'appelle, là, les trucs à bain d'huile, à côté de moi. Mais alors, à côté de moi, à 10 cm de moi. Mais le problème, c'est que j'ai aussi 5 mètres de plafond dans mon garage. Et bien 20 cm de trou au niveau des portes de garage. Donc c'est un peu la cata. Et donc le zinc, ce n'est pas, c'est pas bon dans les couvertes quand on travaille avec du sous-émail ou de l'engobe. Parce que ça a tendance à modifier ou manger les colorants. Le problème évidemment, c'est que les industriels, en général, ils donnent pas leurs recettes. Sauf justement certains qui vendent leur couverte comme sans zinc, exprès, pour qu'on sache que celle-là, on peut. Et à ma connaissance, c'est le cas de la Mako. Je sais qu'il y en a d'autres, hein, mais. Sinon, je ferai la mienne. Maintenant que j'ai commencé à avoir quelques livres pour compléter ce que j'ai réussi à grappiller sur Internet. Une des difficultés de la peinture à l'aiguille, c'est comme l'aiguille est quand même relativement fine, il faut que l'engobe soit suffisamment liquide pour couler et pas la boucher, mais suffisamment solide pour pas me faire, enfin pour respecter le dessin que j'essaye de faire. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça de dessiner sur un pot à l'aiguille. Pour pas en plus avoir l'engobe qui fait des siennes. Donc cette texture, elle est difficile à obtenir, mais c'est aussi pour ça que à intervalles réguliers, je viens essuyer mon aiguille ici, là, sur une éponge, pour garder l'embout propre, parce que c'est comme si le bout de l'aiguille se salit au fur et à mesure et engrange de la poussière de d'émail. Ah, j'ai une visite d'enfant, je crois. Oui, chérie, j'ai mis un pot pour tenir la porte parce que j'ai froid. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oui. Oui, je suis en live, ma douce, comme tous les dimanches après-midi. Je dois venir dans ma chambre, je profite pour le goûter. D'accord, au moment du goûter, tu peux partir avec le chien, s'il te plaît? Vas-y. Merci, à tout à l'heure. Je vous prie de m'excuser une deuxième fois. Ma fille vient de formellement m'inviter à prendre le thé dans sa chambre. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'essuie le bout pour enlever la petite poussière qui s'accumule et qui du coup me fait un pâté. Un peu comme quand on écrit trop longtemps sur un papier et que du coup il y a un peu de fibres de papier qui s'accrochent au bout du stylo ou du feutre.
Donc, bah oui, j'espère que je trouve, au pire, que je trouverai une recette dans mon livre. Sinon, j'en ai déjà repéré une ou deux sur Glaisy. Je crois que je vous ai déjà parlé de ce site, qui est un site qui recense les recettes des mots. Et une des difficultés de ce site, outre le fait qu'il faut quand même tout tester, parce que c'est un site participatif, donc chacun peut mettre des recettes dedans. Sauf que évidemment, chacun utilise les produits qu'il trouve dans son pays et que beaucoup des contributeurs sont plutôt aux États-Unis, donc ils n'ont pas forcément les mêmes produits que nous. Mais en plus de ça, qu'est-ce que. Aux États-Unis, ils cuisent beaucoup en cône 6, qui est plutôt 1200 degrés. Et moi, je suis à 1250, plus un petit temps de maintien de température qui fait effectivement monter mon four à presque 1260. Donc, en fait, les émaux à 1200 degrés, c'est pas certain que la recette survive à 1250. Donc, de toute façon, il faut tester, mais c'est vrai que je préférerais tester avec une recette qui est déjà pensée pour la bonne température. En l'occurrence, en France, le grès, on a tendance à le cuire plutôt en cône 9. Alors, mon petit pot là. Il est dans un style un peu cartoon, donc je m'inquiète pas que mes lignes ne soient pas trop droites. Si ça avait été un problème, j'aurais pu faire un croquis au crayon papier et éventuellement, il existe des choses comme ça qui sont pensées éventuellement pour la couture, mais pas que. Qui permettent de, je vais pas le faire là-dessus, de pouvoir maintenir une ligne droite sur une courbe. Parce que sinon, c'est difficile de tracer un trait droit. J'ai même pas fait la moitié encore. Je vais faire des grandes baies vitrées sur celui-là. C'est du haut, comme j'ai demandé. Il sera éteinte. Ça dépend des grès. En fait, toutes les terres ont des températures différentes. Et puis, attention, je vais tordre le cou à une idée reçue. On n'est pas obligé de vitrifier une terre. Si on vitrifie une terre, on la rend étanche même si elle n'est pas émaillée. Mais si elle n'est pas vitrifiée et qu'elle est émaillée, c'est pas grave.
C'est important qu'une terre soit vitrifiée quand son usage c'est d'être à l'extérieur, comme ça elle a une plus grosse résistance au gel puisque l'eau ne pénètre pas la pièce. Et donc l'eau à l'intérieur de la pièce ne gèle pas et la fait pas exploser ou s'écailler. C'est utile de vitrifier une pièce quand tu veux qu'elle puisse aller au micro-ondes. Parce que s'il y a de l'eau dans ta pièce quand tu la mets au micro-ondes, l'eau chauffe et éventuellement ça peut faire fendiller le tressaillier, on appelle ça, l'émail qui est par-dessus. C'est ce qui arrive quand on met de la vaisselle. Et ben en fait, c'est paradoxal, mais quand tu veux le mettre au four traditionnel, tu as une plus grosse résistance au choc thermique si elle n'est pas complètement vitrifiée ou s'il y a dedans. C'est pour ça qu'en général on utilise de la terre chapotée pour ce qu'on met au four. Pour avoir une. Parce, du coup, alors même si elle est vitrifiée, c'est pas ça qui fait qu'elle résiste mieux au choc thermique en fait. La vitrification, elle empêche l'eau de rentrer dedans. C'est utile pour un vase. Moi, j'ai des vases. Je n'émaille pas toujours l'intérieur de mes vases. Et je n'émaille jamais le pied puisque je veux pouvoir les poser dans mon four. Du coup, c'est important que ma terre soit vitrifiée. En l'occurrence, le grès de puiset que j'utilise. Il est vitrifié à 1250 plus 20 minutes de maintien de température à 1250, plus un palier à 1250. Mais si tu émailles toujours l'intérieur de ton vase, en fait, tu n'as pas besoin que ton vase soit vitrifié. Et s'il n'est pas vitrifié, potentiellement, il a une plus grande résistance au choc parce qu'il a un peu plus d'élasticité. Alors honnêtement, je pense qu'on est sur des proportions qui sont tout à fait négligeables, mais la théorie, c'est ça. Quand c'est vitrifié, ça redevient du caillou, en fait. Parce que l'argile, c'est de la poudre de caillou qui a pourri. Enfin, Et donc, quand elle est vitrifiée, elle redevient du caillou. Alors, moi, j'aime bien aussi quand il y a une partie brute. Je le fais, ceci dit, quasiment jamais. Entre autres parce que, et c'est le cas de mon mari, donc je ne peux pas l'ignorer, il y a des gens qui ne supportent pas de toucher de la terre cuite non émaillée. C'est l'équivalent tactile de la craie sur le tableau noir pour l'oreille, par exemple. Il y a plein de choses dans la vie, y compris dans l'artisanat d'art et dans les loisirs créatifs et tout ça, qui sont soumises à des modes. Et il se trouve que l'utilisation du grès et la vitrification absolue de la terre, ça fait complètement partie d'une mode. En ce moment, on est plutôt sur du grès et sur des terres vitrifiées. Alors que sur le principe, si quand on parle de faïence, enfin, on peut parler de faïence pour désigner un service à vaisselle, par exemple, c'est parce que traditionnellement, on utilisait surtout de la faïence, qui est donc par définition non poreuse et non vitrifiée. Ce qui fait qu'on aime moins la faïence pour l'utilitaire et la vaisselle qu'avant, alors qu'avant on utilisait le grès quasiment que pour ce qu'elle est à l'extérieur. C'est l'invention du micro-ondes qui rend la faïence, puisqu'elle est poreuse et que donc elle peut capturer de l'eau à l'intérieur, un vrai problème.
parce que l'eau qui est prisonnière à l'intérieur, comme elle n'a pas d'endroit par lequel s'échapper, elle va fissurer les mailles pour pouvoir s'enfuir alors qu'elle va chauffer dans la pièce. Donc c'est aussi une question de proportion émaillée par rapport à la proportion pas émaillée. En l'occurrence, si tu n'émailles pas l'intégralité de ta pièce, si tu l'émailles que jusque-là, t'émailles, genre l'intérieur est là. Alors, tu peux avoir d'autres problèmes qui sont issus de ça, mais bon, imaginons que tu émailles l'intérieur et jusque-là. En fait, comme ton eau, elle a plus de superficie pour sortir quand elle bout, potentiellement, ton émail tressaillera moins. Potentiellement aussi, si ton pot casse, il cassera à l'endroit de la transition de l'émail. Parce que ça fait une différence de pression. Bon, après, je dis ça avec beaucoup d'assurance, je ne suis pas experte. C'est le résultat de recherches, de formation et de lecture. Et peut-être que quelqu'un me dira dans les commentaires que je suis qu'une gourde et que je me trompe complètement. Et je ne lui en voudrais pas si c'est argumenté. Ah, de nouveau un visiteur. Oui, alors voilà, j'ai bloqué la porte parce que j'ai froid. Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi tu es dehors en chaussons et en t-shirt et en short? Il y avait quoi dans le colis? Est-ce que ça te regarde? Oui. Non. Il n'y avait pas ce que t'attends. Mais il était trop lourd. Il y avait des livres pour moi. D'accord? Maintenant, tu circules. Je circule. Voilà. Vous arrêtez de venir toutes les 2 minutes. Coucou Joël. Désolée, c'était mon fils cette fois-ci, parce que il se relaie. J'ai passé un très bon Noël, et toi? Je vous ai pas montré les émaux que j'ai eu à Noël. Alors, je les ai pas encore testés en même temps. Hein, mais... Faut dire que comme il fait froid, j'ai pas beaucoup tourné. Alors, j'ai pas beaucoup de pièces à biscuiter et encore moins à émailler. Nous sommes sur les premiers 6 mois de vie de mon atelier et je note pour plus tard que. Faut que j'anticipe la saison froide en tournant plein de trucs avant. Est-ce que tu as trouvé une place pour ton porte-savon, Joël, si tu es encore là? J'ai vu ça sur ton site.
Ou sur le... Non, c'est sur le truc de potier, là, où tu as partagé une boule incroyable que tu as adorée, que tu as postée avec le Bols Plus, là. C'était... Elle est belle, ta boule. Ouais, l'activateur d'émail, là, c'est quelque chose. Hein. J'ai pas encore testé tout ce que je voulais tester avec. Oh là là. Le jour où je me suis lancée dans ce truc-là, je crois que j'ai pas bien mesuré ce que je faisais. Parce que clairement, c'est long. Je sais pas. Ce que je trouve assez épatant, c'est la manière que ça a de réagir différemment en fonction des émaux sur lesquels c'est posé. Et je sais pas si tu as vu dans le mode d'emploi, mais si tu l'utilises en sous-cuisson, et normalement il fait craquer les émaux sur faïence, par exemple, en température faïence. Alors moi je fais pas de faïence, hein, mais. Fait penser qu'il y a un pot que je vous ai toujours pas montré, qui est à la fois un pot que je trouve très beau et un de ceux qui brise le cœur. J'ai ah oui si je sais ce que je me suis acheté aussi pour Noël. Je me suis acheté une nouvelle lightbox plus grande pour quand je dois photographier des grands trucs. Parce que je me suis quand même vaguement rendu compte avec mes gros vases là que la lightbox était un peu petite. Bientôt, je vais la tester. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde en vidéo? Parce que je vais bientôt tourner la prochaine vidéo. Je pensais la faire sur le recyclage, mais j'ai réfléchi que je pense que je vais plutôt faire un article de blog sur le recyclage, parce que je pense qu'il n'y a pas de quoi tenir une vidéo entière. Enfin, il n'y a pas... Et du coup... En fait, j'hésitais. Au départ, je voulais faire sur le recyclage. Après, je me suis dit, je vais faire une vidéo sur les... les petites choses de la vie de l'atelier. Donc, le garnissage, le recyclage.
Et là, du coup, je suis sûre d'avoir suffisamment de temps. J'ai même peur que, du coup, ça en fasse un peu trop. Je suis très partagée. Alors, presque les deux côtés qui ont des fenêtres en même temps. Tiens, je vais rajouter une rambarde sur celui-là. Ah oui, du Mishima ou du sgraffito du coup. C'est le sujet de l'article de blog que j'ai posté aujourd'hui. Effectivement, je peux compléter par une petite vidéo. L'aspect le plus compliqué de la gravure, c'est d'avoir un bon outil. Enfin, il y a des gens qui le font juste avec un pic, hein, mais la qualité de ton outil va changer la fluidité du dessin. Parce que pour le coup, on est quand même sur une technique de dessin, même si c'est en volume. De réfléchir à un truc. Alors, on était très nombreux la semaine dernière et de toute façon mon live a été coupé. Mais c'est d'ailleurs la seule chose que j'ai tournée du coup. Mais la semaine dernière j'ai tourné ça. Et donc c'est quelque chose qu'on m'a fortement suggéré de faire, de demander de faire, qui est donc inspiré de ceci. Bon, le mien est un peu plus boulu que le sien. C'est censé être des feux follets et on met évidemment, on peut mettre une petite bougie dedans. Alors, je l'avais mis à sécher, mais c'est vrai que sur l'original, il y a des petits motifs. Si vous voulez, je peux graver celui-là. Là, tout de suite, je veux dire. Tu veux qu'on fasse ça, Bernadette? Ça vous amuserait plus? Je vous laisse le temps de me répondre parce qu'il y a un décalage. Ce qui vous fera un silence un peu bizarre quand vous arriverez au moment où j'attends que vous me répondiez.
Ah, bon. Au départ, j'avais pas vraiment l'intention de le graver, pour être honnête. Mais après, pourquoi pas? Ok, je vais faire ça. Alors, New York et ses super-héros se poussent. Je nettoie quand même mon aiguille pour pas qu'elle se bouche. Et on va jouer à graver ce truc-là. Salut Athéna. Alors ça me fait toujours bizarre. Ah, de toute façon, graver, ça va pas durer 2 heures. Hein. Il est petit. Ça me fait toujours bizarre quand Athéna vient nous rejoindre en live parce que Athéna, c'est le pseudo d'Athéna, mais c'est le vrai prénom de ma fille. Donc ça me fait toujours un peu bizarre. Alors quand vous faites de la peinture, du dessin à l'aiguille comme ça, c'est hyper important de bien nettoyer votre aiguille après. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, je fais passer de l'eau claire plusieurs fois dans l'aiguille. Pour être sûr qu'il ne reste pas d'engobe à l'intérieur, qui viennent... ni la l'oxyder, ni la boucher, parce que quand elles sont un peu fines, c'est très difficile à déboucher après. Je reviendrai au dessin après. Dans la boîte. Alors, viens là. Comment t'as dit, Athéna, qu'elle s'appelait déjà? Aïe. Alors, moi, les outils que j'ai pour graver, j'en ai plusieurs. Alors, après, vous pouvez aussi utiliser des outils plus gros, hein, des outils comme ça. Qui sont chez moi des outils pour tournasser. Mais ça marche aussi pour graver si vous voulez graver des trucs un peu gros. Après, moi, ma collection d'outils, c'est ça. Donc j'ai ces 4 outils-là. Qui sont des Diamond Core Tools et ces 3 là, je sais pas ce que j'ai foutu, hein. Qui sont tous un peu sales, je constate. J'ai pas dû bien nettoyer la dernière fois que je m'en suis servi. Alors ceux-là, je vais les enfouler. Voilà, hop, et ceux-là, ils sont à double. Donc voilà, donc il y a. En gros, en fonction du type d'outil, 2 méthodes. Une méthode qui consiste à enlever de la matière avec des outils qui sont un peu comme des mini-outils de tournassage. La flamme de but à gaz, donc des mini-outils de tournassage qui permettent d'enlever de la matière, et des outils... comme cette catégorie-là, là, ceux qui ont un double sens, qui servent à gratter la matière. Ceux pour gratter la matière, c'est parfait pour le sgraffito. Ah, c'est bien, il était trop bas. Attends, je recommence comme ça. Et comme ça. Avec un peu de chance, ça marchera mieux. Et ça fait des traits un peu différents.
Par exemple, si j'utilise celui-là, là, qui sert à plutôt à retirer la matière, je peux venir faire des traits un peu comme cela, où on a retiré quand même pas mal de matière pour faire des lignes du sourire, par exemple. Alors, je sais pas. Contrairement à ce que je suis en train de faire, l'idéal quand on grave, c'est d'essayer de le faire en une seule fois dans un geste un peu fluide. C'est pas toujours facile, hein. Mais Tani, t'es trop forte. Là, voilà, j'ai fait un petit. Des petits traits comme ça. On peut les faire plus courts. Correspond plus à ce qu'il y a sur le modèle. Hop. Là, c'est avec un angle. Je sais pas si vous allez bien voir. Ça manque un peu de lumière. Comme ça, et là, c'est en courbe. Avec les outils comme ça, on va faire des lignes. Un peu différente. Alors par exemple, je peux venir tracer un petit sourcil. Maintenant, il est comme ça. Est-ce que vous allez voir les traits? Peut-être. Je peux venir lui graver des petites narines, du coup, tant que j'en suis à le graver. Parce qu'après tout. Et ouais, il a un sourire en coin maintenant. Alors évidemment, à partir du moment où je commence à lui dessiner des traits, des sourcils, ça lui donne ça lui donne une expression qui est un peu différente. Voilà. Et donc en fonction des outils, le trait sera légèrement différent. Donc là j'ai pris celui-là qui a une pointe un peu fine. J'ai pas grand-chose en consistance pure. Alors, je vais juste prendre de la terre. Celle-là un peu durcie parce que. Et donc celui-là, il va faire un V, plus ou moins profond en fonction d'à quel point on appuie. C'est celui-là. Celui-là, c'est Jean-Luc Benoît qui l'a fait, celui-là. Celui-là, il va me faire un U étroit. Là aussi, hein, plus ou moins profond en fonction de ce qu'on appuie. Celui-là aussi, un peu plus évasé que le précédent, mais aussi un U. Et celui-là, c'est un U très évasé. Là, pour le coup, on peut enlever vraiment beaucoup de matière avec cela. A l'inverse, ceux-là, on sera plus dans des lignes, alors qu'on peut quand même faire profondes, mais qui resteront des lignes relativement étroites. Alors là, on est dans de la terre un peu trop souple, hein, donc je rentre dedans un peu facilement, mais voilà. Ça, c'est. Je ne sais plus quels sont les numéros parce qu'ils les mettent. Enfin, ils les mettaient pas sur sur leurs outils. Je crois qu'ils le font maintenant. Mais ça, c'est ce qu'ils appellent la forme football. Ça, c'est juste une aiguille.
Et ça, c'est une aiguille avec une boule au bout. Et ici, on est dans une forme de triangle, donc qui va faire un truc un peu évasé. Et grosso modo, une autre aiguille avec une boule au bout. Donc ça, c'est en fonction de l'outil, on va avoir des lignes un peu différentes, des résultats un peu différents, et aussi en fonction d'à quel point on appuie. Donc en général, quand je fais du Mishima, en général, quand je fais du Mishima, je fais des fleurs. Et en général, celui que j'utilise le plus, c'est celui-là. Et donc, par exemple, je vais venir faire. D'autant que c'est trop humide, donc les. J'ai un peu. C'est vite fait et sans grand talent, mais ça donne l'idée. Donc si voilà, on va dire que ça ressemble presque à une fleur ou un oiseau. Tellement la fleur est ratée. De la même manière, quand je fais du sgraffito, j'ai tendance à faire des traits un peu géométriques. Alors là aussi, j'utilise beaucoup celui-là, hein, mais je vais utiliser celui-là et faire des lignes parallèles, les unes à côté des autres. Puis après, je vais venir, par exemple, venir mettre des courbes. Et puis, faire mes courbes qui rejoignent une diagonale qui va de nouveau s'aligner en trait comme ça. Petit coup de pinceau. Faut imaginer avec de la couleur. Comme je le disais dans mon blog, le Mishima, alors le sgraffito c'est facile, on met de la couleur et ensuite on vient graver ce qui va faire apparaître la couleur naturelle de la terre. En l'occurrence, cette terre elle a l'air marron, mais quand elle sèche, elle est beige clair, presque blanche. Donc si j'avais mis de la couleur noire sur ma terre, une fois cuite, on verrait bien les traits. Le Mishima, à l'inverse, on va venir mettre la couleur dans les traits. Et là, on a deux techniques. Soit à l'aiguille, c'est-à-dire comme je fais le dessin là sur biscuit, on prend son aiguille et puis tout doucement, on vient introduire la couleur comme ça dans les lignes. On peut le faire à cru ou on peut le faire en biscuit. L'autre option, c'est de venir tout tartiner. Et une fois que c'est sec, on vient gratter comme ça. Avec une estèque ou avec carrément une râpe. Pour enlever la couleur. Et du coup, la couleur sera restée que dans les traits. Ça marche aussi avec des oxydes. Tout à fait. Attention que les oxydes. Ah. Quand on le fait avec des engobes, il y a en général plus de texture que quand on le fait avec des oxydes. Parce que les oxydes, souvent on les mélange avec de l'eau. Uniquement. C'est rare qu'on mette autre chose dedans. Donc ils vont avoir plus. Si on le fait sur biscuit, ils vont avoir tendance à se diffuser beaucoup plus.
Après, je ferai éventuellement une vidéo un peu plus longue, une fois où j'aurai vraiment des pièces à graver, puisque là, mes tamis, j'ai pas envie qu'elle ait des petites trilles partout. Même peut-être effacer les pointes là, parce que j'aime pas en fait, je préfère les courbes. Mais enfin bon, voilà. Donc je ferai éventuellement une vidéo un peu plus longue. Mais le principe, il est là. Donc il y a un coup de main. Ah oui, évidemment, on peut se servir juste d'une aiguille de poterie classique. Je vais reprendre mon exemple. On va pouvoir faire les traits pareil, hein. Ça marche particulièrement bien pour le sgraffito et tout ça aussi. Il y a une autre technique en sgraffito, là, qui demande un peu plus de technique et que je peux difficilement vous montrer parce que j'ai pas envie de mettre, vu que c'est de la terre encore non formée, j'ai pas très envie de mettre de la couleur dessus. Mais je lisse un bout. Si ça c'était de la couleur, on vient donc gratter des petites touches comme ça. Et en fonction de la quantité de couleur qu'on enlève, ça fait déjà ça fait un peu de texture. Mais surtout, ça va faire plus ou moins foncé, ou plus ou moins clair. Et là, on est sur une technique de sgraffito. Il y a honnêtement des gens qui font des trucs incroyables. Vous pouvez regarder, je ne sais pas si vous connaissez John the Potter. Je crois que sur Facebook, il s'appelle John Smith Pottery, un truc comme ça. Et sa femme, elle fait des très jolis trucs en sgraffito. Je suis pas la seule, hein. Il y a plein de gens qui font des jolis trucs en sgraffito, mais elle, je sais vous diriger vers son travail, alors que je ne le sais pas forcément pour d'autres. Et je vais reprendre ma peinture sur biscuit. J'approfondirai ça quand j'aurai plus de pièces parce que voilà, je suis déjà à court de pièces en fait, je vais pas. Sur un vase, on peut s'éclater un peu et faire des trucs. Alors, tout ce que j'ai à vous montrer, c'est déjà fini en même temps. Donc, mais des choses même très simples. Je suis revenue. Non, de la patine, c'est ça. La patine, elle va remplacer ton émail. Donc non. En général, une pièce qu'on patine, on l'émaille pas derrière. Donc ça, c'est du Mishima. On n'est pas sur un truc compliqué, hein. La forme à faire, tout le monde peut la faire. Ensuite, je suis venue avec une aiguille remplir les creux de couleur. Et j'ai juste émaillé avec une couverte. On peut le laisser comme ça. Ou, alors, c'est pas une réussite ici parce que ma couverte, elle a bullé, mais c'est pas grave, ça vous donne une idée quand même. Ou on peut venir, en plus des lignes, remplir après les formes, comme du coloriage. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Alors, je vous dis, celui-là, moi je suis un peu triste parce que ça a bullé. Je ne sais pas encore si je peux le.
Mais donc, j'ai fait mes feuilles, je suis venue colorier l'intérieur de mes feuilles, j'ai fait mes fleurs. Celle-là, elle est beaucoup trop carrée, mais bon, allons sur la marguerite. J'ai fait mes lignes, puis j'ai colorié mes lignes, y compris les formes obtenues par les lignes. Donc ça, on est toujours sur la technique du Mishima. Là, moi, je l'ai peint en peinture, mais on peut aussi utiliser les sous-émaux pour peindre les formes obtenues avec un effet un peu aquarelle, en diluant beaucoup. Et là, on est sur du sgraffito. Donc, j'ai d'abord peint une bande bleue, puis je suis venue tracer des lignes dans ma bande bleue. Et encore une fois, mes lignes, elles ne sont pas parfaites. Mais en fait, ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça peut l'être. Il y a certaines lignes que j'ai faites à la règle, d'autres non. Mais même si... Enfin, ça n'a pas besoin d'être parfait. L'effet final ne nécessite pas la perfection. Et mes petits exemples de Mishima et de sgraffito. Bon, j'en ai d'autres, hein, mais enfin, après, la technique est la même, grosso modo. Justement, moi je suis pas hyper forte en dessin, donc je suis pas non plus hyper forte en Mishima et en sgraffito parce que mon trait n'est pas sûr, ma ligne n'est pas particulièrement fluide. Ça n'empêche pas que j'ai du plaisir à en faire, donc j'en fais quand même. Mais il y a des gens, soit par l'expérience, soit parce qu'ils ont un talent ou une patte. Que je n'ai pas. Ouh, c'est la cata. Beaucoup trop liquide. Il y a des gens qui font des trucs super bons. Compliqué. En nettoyant, ça a mis de l'eau dans. Alors, je peux pas t'en dire beaucoup plus sur la patine, Bernadette, parce que j'en ai jamais fait. La patine, en général, on l'utilise surtout sur des choses non utilitaires, surtout sur des statues. On l'utilise parfois sur des pots en raku. Non, puisque tu le fais à cru. Tu le fais pas après les maillages, tu le fais avant les maillages. Donc quand t'émailles, ton émail, il va venir napper ton creux. Je reprends Etania. Là, elle est crue ma terre. Si, regarde, je peux en enlever des bouts avec mon ongle. Elle n'est pas cuite encore. Et encore moins émaillée. Donc là, j'ai gravé. Quand je vais venir la tremper dans mon émail, il va aller partout, y compris dans les creux. Donc ce sera émaillé partout. Pas besoin d'émailler deux fois.
techniquement, il serait probablement possible de venir graver, creuser ton pot cuit et émaillé, biscuité et émaillé. Mais du coup, il faudrait utiliser une espèce de mèche à poncer. Ça ferait de la poussière hyper toxique. Alors qu'à cru, c'est honnêtement très facile. Physiquement, quoi, je veux dire. Ah, je vois. Si tu peux faire ça, ça se fait sur certaines sculptures. Encore une fois, le modelage, c'est pas trop ma spécialité. Si mon amie Yuni était là, elle pourrait t'en dire plus. Je sais que quand elle fait une patine, elle mélange plusieurs trucs. De mémoire, il y a du cirage, de l'essence de térébenthine, bref, des trucs comme ça, quoi. Elle les mélange ensemble pour obtenir une espèce de pâte qu'elle va venir frotter. Comme la terre, elle est non émaillée, elle va en absorber une partie et effectivement, après, tu vas frotter ton surplus, tu vas en laisser plus ou moins à certains endroits et en fonction de ça, tu auras un résultat différent. Je crois qu'elle a posté sur son Facebook. Et d'ailleurs, je pense que je l'ai partagé sur ma page, une photo avec les poteries, non, les sculptures qu'elle vendait au marché de Noël que j'ai fait. En l'occurrence, ces sculptures-là, elles sont patinées avec ce mélange-là dont je te parle. Alors, je ne connais pas sa recette, hein. Peut-être que je me trompe complètement dans les ingrédients que je te dis, mais il me semble qu'il y a des trucs comme ça. Elle met la poudre pour faire un effet bronze, enfin, je crois aussi que tu peux acheter de la patine toute faite, mais soyons clairs, si tu veux que ça marche bien, il faut que ton pot soit pas émaillé. S'il n'est pas émaillé et qu'il est poreux et que tu appliques des choses comme ça dessus, c'est pas alimentaire. C'est le genre de choses qui ne sont que décoratives. De la même manière que hop, attendez, j'essaie de le faire. Est-ce que je vais y arriver? Tac, tac, tac. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Je vous prie de m'excuser. J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Si, ça y est, je me souviens. Comme il existe certains vernis que tu peux mettre sur des poteries pour les rendre étanches, en particulier, tu les utilises si tu veux rendre étanche un vase que tu as fait en raku ou des choses comme ça. Pour un vase, ça va, mais tu peux pas t'en servir comme mug, quoi. On n'est pas sur des trucs alimentaires. À ma connaissance, il en existe peut-être des sortes alimentaires, et dans ce cas-là, je prie d'excuser mon ignorance. Mais à ma connaissance, tout ça existe, c'est top, mais c'est pas alimentaire.
la dernière ligne droite du live, en tout cas pour aujourd'hui. Parce qu'il va pas falloir que je tarde à aller faire goûter mes enfants. J'aurais fait quoi, un tiers du pot? Alors, en pièce déco, tu peux même t'amuser assez fort parce que je te dis, je connais pas sa recette exacte, mais je pourrais la lui demander si vous voulez, ou alors vous pouvez aller sur sa page à elle et lui demander. Admettant qu'elle accepte de la partager, parce que de ça je ne puis jurer. Mais elle cherche un résultat qui fasse effet bronze, mais dans l'absolu, en fonction des pigments que tu vas mettre, en fonction des produits que tu vas utiliser, tu peux obtenir des effets tout à fait variés. Et là, il n'y a que la chimie et l'imagination qui peuvent te limiter. On n'est pas trop dans mon domaine de compétences pour l'instant. Peut-être qu'un jour, je serai plus au fait de ce qui peut se faire en termes de patine, mais pour l'instant, non. Mais oui, en pièces décoratives, sur des pièces décoratives, tu peux t'éclater et tu peux t'éclater beaucoup parce que il y a les patines, mais il n'y a pas que les patines. Si vous avez vu la dernière vidéo très légèrement, tu les sens, tu passes le doigt dessus, mais c'est très peu notable. La dernière vidéo de Jean-Luc Benoît sur son faux kintsugi. Bon, là, lui, il le fait avec de la poudre de mica dorée. Mais enfin, rien ne t'empêche d'acheter un truc rose fuchsia. T'es pas obligé de prendre un pot qui est déjà cassé dans l'absolu. Tu peux décider de graver directement à la Dremel, enfin à la mini perceuse, des lignes pour venir après faire des lignes fuchsia si c'est ton truc, quoi. On est sur de la peinture, donc il y a un tout petit peu de volume. Je sais pas si je peux. Hop, on va essayer de faire un gros plan en espérant que ça zoome. Il y a un petit peu de volume. Mais le volume est tellement minime que à la cuisson, l'émail va noyer l'essentiel. Quand tu fais du Mishima, même si tu viens remplir ton trait avec de la couleur, on continue de sentir le relief au toucher parce qu'on est venu creuser quand même, et ça reste en sgraffito aussi, en peinture sur biscuit, et c'est anecdotique. Si t'es vraiment très très sensible des doigts, tu le sentiras, mais il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 immeubles. Et j'en ai fait 16. C'est un tout petit vase, tu vois, je mets à peine ma main dedans. Et je pense, sans mentir, que je suis déjà à 20 heures de travail dessus.
C'est le genre de pièce, clairement, jamais tu peux la vendre pour même rembourser ton éventuel temps de travail. Mais c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. La dernière pièce que j'ai faite en peinture sur biscuit comme ça, où j'ai investi énormément de temps. De toute façon, ma maman m'a dit qu'elle la voulait, elle l'a prise. Et je lui ai donné. Voilà. Je lui ai donné, donné. Parce que bon, là, c'est ma maman. C'est gentil, Bernadette. C'est vrai. C'est vrai que j'aime bien les États-Unis et c'est vrai que j'ai pensé à New York en faisant cette pièce. Après, l'autre pièce que j'ai faite comme ça en peinture sur biscuit, je peux pas vous la montrer parce que comme je vous dis, je l'ai donnée à ma mère, mais elle est très différente. C'est des îles flottantes au-dessus d'une mer reliées par des ponts. On est dans un esprit tout à fait fantasy. Donc c'est vraiment une question d'inspiration du moment. Et là, en fait, j'avais envie, avec cette pièce, de tester la perspective. Hashtag raconte ta life. Quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, j'ai fait une prépa art déco. Je voulais devenir artiste. C'était un peu mon truc à moi. Déjà à l'époque. Et des cours de dessin que j'ai eus et de tout ça, ce que j'avais le plus préféré, c'était la perspective. Je trouve que c'est assez fascinant comme truc, la perspective. Parce que on est sur, alors, sur papier, on est sur de la 2D, mais on arrive à créer l'illusion de la 3D. Et j'étais curieuse de savoir si, malgré le fait que ça, c'est déjà de la 3D, je pouvais être trompée la 3D de la pièce pour créer une autre 3D différente. Donc c'était un peu l'exercice que je voulais faire avec cette pièce. Je ne suis pas mécontente, hein. Je trouve que quelque part ça le fait. C'est-à-dire que moi je trouve qu'il y a effectivement une impression de premier plan, de deuxième plan, etc. Après, en attaquant ça, j'avais pas vraiment bien visualisé la quantité de travail que ça allait impliquer. Voilà. De faire chacune des fenêtres de tous les immeubles que j'avais dessinés. Et je pense que si j'avais été maligne, je serais peut-être restée sur une perspective encore plus cartoon sans les fenêtres, quoi, comme ça. Mais je me suis lâchée à fond et j'ai attaqué les fenêtres. Donc maintenant, je suis obligée de finir. C'est comme ça. Sur ce, je vais nettoyer mes petites affaires et aller faire goûter mes enfants et me réfugier dans un endroit un peu moins froid. Et puis si j'arrive à finir cette pièce un jour, je vous promets, je vous la montre. Je pense que je vais l'emmener avec moi pour essayer d'y travailler cette fin d'après-midi et ce soir. Je vous remercie d'avoir passé ce dimanche après-midi avec moi parce que on est bien chez Thalassa le dimanche après-midi. Pardon, je suis désolée. Je pète les plombs, c'est la fatigue d'entre les fêtes.
Je vais aller prendre le thé avec ma fille parce que je vous rappelle que j'ai été formellement invitée au début de vidéo. Et on se voit dimanche prochain. Et il n'est pas complètement exclu qu'à un moment de cette semaine, je fasse un petit live surprise si j'arrive à attraper un moment où il ne fait pas moins 50 000 dans mon atelier. Eh oui, parce que là, je dessine les fenêtres et il y en a que je noircis. Mais après, il y en a toutes celles qui ne seront pas noircies. Alors, je vais peut-être en noircir plus. Je vais venir les redessiner à l'intérieur en jaune. Pour faire la lumière. Parce que je suis une grande malade. Faut pas croire. Merci à vous. C'est aussi un super moment pour moi. Et je pense que c'est même souvent un des meilleurs moments de ma semaine. À bientôt! Tant mieux si je vous fais rire. Bisous!